Merci beaucoup, merci infiniment de cette invitation. Je suis ravie d'être devant vous pour débattre de ce thème. Donc effectivement, je suis directrice du développement durable de Suez. Je suis aussi vice-présidente d'une association que j'ai créée en 2007 qui s'appelle le Collège des directeurs du développement durable, qui regroupe maintenant 150 membres de cette fonction. Et je suis par ailleurs présidente de la plateforme RSE qui a été installée auprès du Premier ministre pour préparer le plan national RSE. Et si je vous dis ça, c'est qu'il y a des liens, évidemment, avec le sujet qui vous occupe. Et mon premier point est justement celui-ci. C'est-à-dire que là, nous sommes face au sujet des objectifs du développement durable et donc à un sujet qui a été, même si c'est passé un peu inaperçu, porté assez vite par les directeurs du développement durable. On peut même dire que l'émergence de cette fonction dans l'entreprise est concomitante, non pas des ODD en tant que telles, mais de leurs prédécesseurs, c'est-à-dire des OMD, et que, aussi bien au sein des collectivités locales qu'au sein des entreprises, il y a eu cette volonté de mettre en place des politiques de développement durable qui essayaient de dépasser la réalité ou l'activité de l'entreprise pour voir en quoi elle pouvait être contributrice à des enjeux qui la dépassaient, que ce soit des enjeux, par exemple pour Suez, peut-être plus axés sur l'accès à l'eau et à l'assainissement, pour d'autres entreprises sur l'accès à la santé, etc. Mais en tout cas, la logique était bien celle-là, qui consiste au fond à dessiner une vision d'entreprise assez neuve, c'est-à-dire une entreprise dont la finalité est certes le profit, mais pas simplement cela. Donc au fond, une entreprise qui est créatrice de valeurs environnementales, sociales et sociétales. Et c'est ça la définition de la RSE qui doit servir cet objectif du développement durable. Je me permets d'insister là-dessus parce que les entreprises qui vont prendre part aux ODD ne sont pas les mêmes dans leur état d'esprit que celles qui ont pris part aux OMD. Je veux dire par là, et je le formule différemment, qu'en l'espace de 10 ans, il y a eu des changements, des transformations considérables à l'intérieur de l'entreprise. J'en mesure, évidemment, quand je regarde un peu les 10 dernières années, j'en mesure le parcours. Ça a demandé beaucoup de mobilisation, beaucoup de courage aussi parfois. Mais voilà, est en train de se mettre en place probablement d'autres façons de prendre les sujets. Les ODD, donc, renvoient à un enjeu qui, à mon sens, est absolument essentiel, qui est celui de la transversalité. Ils ont été organisés comme cela, ils ont été pensés. J'ai eu l'honneur d'ailleurs de participer à un panel de haut niveau au moment de la préparation et j'ai été très frappée par cette volonté, non pas de rester en silo et de rester avec une approche très sectorielle, mais d'essayer de penser l'écosystème que ça peut représenter. Et je pense que le devoir maintenant, le nôtre, en tout cas en tant que directeur du développement durable, c'est de passer dans l'action, à cette transversalité. C'est-à-dire, au fond, de ne pas se contenter, pardon, et ça, ne le prenez pas en mauvaise part, mais d'être dans la philanthropie ou d'être dans un soutien financier, mais d'être dans une action qui, structurellement, pourrait changer la manière d'agir. Je vais prendre quelques exemples de cela pour illustrer mon propos. Évidemment, je les tire de ma propre entreprise. Suez s'occupe de l'eau et des déchets. Très bien. Pourrait s'occuper de l'eau d'une part, des déchets de l'autre, et de le faire de manière très traditionnelle, c'est-à-dire j'apporte l'eau, puis je m'occupe pas de ce qui se passe après, puis je traite les déchets, point. Bon. Au fur et à mesure que l'on a avancé dans le temps et que l'on a essayé de coller à ces principes de développement durable et d'une plus grande transversalité, on se rend compte qu'il y a moyen d'être dans une approche très systémique. Notamment, je prends l'exemple des déchets dans les pays du Sud, et dans un pays que je connais bien, qui est le Maroc. Les déchets, dans ces pays-là, il n'y en a encore que 50% qui sont collectés. Dès lors qu'on les collecte, on peut adresser une problématique qui est celle de la santé. Il faut avoir conscience que les déchets sont, dans certains pays, notamment en Inde, un danger plus important que la malaria. Donc, traitement des déchets contribue à cet objectif de santé. Le traitement des déchets peut contribuer, dès lors que l'on est animé par cette volonté, à apporter un élément de réponse au dérèglement climatique. Pourquoi ? Parce qu'on capte
le méthane qu'il y a sur les décharges pour le transformer en biogaz. Ce faisant, on réduit les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, il y a une troisième problématique qui est liée à tout cela, qui m'est particulièrement chère et importante, et qui n'est franchement pas facile à traiter, c'est celle de l'économie informelle. Les décharges dans un pays comme le Maroc sont, et c'est une réalité, s'en occupent des chiffonniers qui sont constitutifs de cette économie informelle, qui font vivre des familles, etc. etc. Bon, comment, du jour au lendemain, passer dans une logique d'économie que je vais appeler formelle par opposition, sans créer tout un tas de problèmes, de nouvelles exclusions, etc. etc. Bon. Il se trouve qu'au Maroc et notamment à Meknès, on fait l'expérimentation aujourd'hui de ce qu'on a appelé la coopérative des trieurs, c'est-à-dire qu'on a créé une sorte de coopérative, enfin, une coopérative qui réunit l'ensemble des chiffonniers et qui petit à petit leur fournit notamment les gestes de sécurité et de santé, les constitue dans un corps en tant que tel, hein, celui de cette coopérative, et va progressivement les conduire à une forme qui va ressembler à celle d'un salariat classique, tout cela avec évidemment la collectivité, l'autorité, plus exactement avec l'autorité locale. Bon. Donc, je reste très modeste parce qu'on n'a pas fini, on n'est pas sûr de réussir d'ailleurs, mais en tout cas, à partir d'un exemple, hein, celui qui est constitutif d'une partie de notre cœur de métier, au fond, comment fait-on pour faire en sorte que du traitement des déchets, on arrive à la conséquence en matière d'environnement et de développement local. J'espère qu'on va arriver évidemment à nos fins, mais en tout cas, on a mis beaucoup de mobilisation pour que ça se passe ainsi. Je prends un deuxième exemple de cela, le sujet de l'eau et des femmes. Là aussi, il est évidemment, c'est peut-être enfin maintenant quelque chose de très connu, mais ça n'est pas, à mon sens, suffisamment. Les femmes, notamment dans un certain nombre de pays d'Afrique, sont celles encore qui s'occupent d'aller chercher l'eau et qui donc passent une grande partie de leur journée à faire cela. Tout cela parce que l'eau n'est pas accessible là où elles vivent. Et donc vous pouvez imaginer évidemment l'ensemble des conséquences que ça peut avoir en matière évidemment de développement pour ces femmes en tant que telles, mais aussi d'accès à l'éducation de leurs enfants. Hein. Ça a des conséquences en chaîne qui sont évidemment extrêmement nombreuses. Donc faire en sorte d'essayer d'apporter des éléments de réponse à ce sujet des femmes et de l'eau en tant que telles a des conséquences qui dépassent l'accès à l'eau, mais apporte et contributeur de politique de développement. Voilà, donc c'est juste deux exemples pour vous dire qu'il faut inciter, au fond, à un changement structurel dans la manière de faire et d'agir pour que ce sujet de l'approche systémique ne soit pas une vaine parole. Et c'est possible. Hein. Et il y a des cas comme ça, c'est possible, voilà. Alors, deuxième chose que je voulais mettre en avant, c'est peut-être une série d'idées, dont évidemment vous ferez ce que vous voudrez, mais qui émanent de l'expérience qu'on a pu accumuler sur un certain nombre de sujets. Idées justement pour contribuer à mettre en œuvre ces ODD, sachant, mais ce n'est pas un sujet que je traiterai ici, sauf si vous me posez des questions là-dessus, que je pense qu'il faut bien distinguer l'appropriation des ODD par la France pour la France. Et là, il me semble qu'il y a un certain nombre d'enjeux, même en France, dans l'accès à l'eau, hein, ou dans un certain nombre de villes, l'accès à l'eau n'est pas évident. Hein. Donc, n'oublions pas ça, mais bien distinguer ceci de comment la France peut avoir une politique d'aide au développement. Je crois qu'il y a deux choses, je me permets de dire, parce que j'ai l'impression que par moment on est un peu en confusion. Et là, il y a bien deux objectifs qu'il faut absolument conserver, parce que les deux sont au fond importants. Bon. Alors, si je me penche uniquement sur ce deuxième objectif, puisque j'ai l'impression que c'était plutôt sur celui-ci que vous m'interrogiez, mais on pourra revenir autrement
à l'autre tout à l'heure. Premier cercle d'idées, si je puis dire, c'est tout ce qui pourrait être fait pour augmenter l'implication et la responsabilité des autorités locales dans les pays en voie de développement, dans les pays émergents, etc. Pourquoi je dis ça ? Parce que je pense que c'est un des problèmes cruciaux que nous avons rencontrés dans l'aide au développement telle qu'elle a été pratiquée jusqu'à maintenant, qui m'a été renvoyée d'ailleurs en pleine figure à un moment où je présentais dans un colloque France Expertise des très jolies idées, et où un participant dans la salle m'a interpellée en disant « Mais écoutez, madame, tout ce que vous dites est très intéressant, mais le financement n'arrivera jamais, jamais jusqu'à moi. » Hein, moi, habitant d'une petite commune dans un pays africain, etc. Bon. Donc le sujet, il est bien là, c'est-à-dire la capacité que nous pourrions avoir de plus en plus à s'adresser aux autorités locales sans passer automatiquement par la case État. Bon. Et là, ça veut dire derrière cela plusieurs choses. Ça veut dire évidemment, en premier, la sensibilisation. Alors c'est peut-être banal que de dire ça, mais en tout cas, le fait d'être en capacité de faire émerger ces enjeux comme étant des enjeux. Hein, je pense notamment à l'assainissement. Tout le monde est focalisé sur l'eau. Personne pense à l'assainissement. L'assainissement, c'est encore 2,5 milliards de personnes qui n'y ont pas accès. Et puis, c'est des problèmes que tout le monde ignore gentiment. Par exemple, de santé, de sécurité, des vidangeurs manuels. Qui a entendu parler de ce type de problème ? Bon. Là, il faut faire émerger cet enjeu-là auprès des autorités locales concernées, première chose. Deuxième chose, c'est qu'il me semble qu'on aurait tout intérêt aussi à favoriser dans tous les systèmes, j'y reviendrai tout à l'heure, d'attribution des aides au développement, des systèmes de subventions qui reposent sur des critères qui renvoient davantage, si je le dis vite, à la RSE, en tout cas qui renvoient à la performance environnementale et sociale d'une solution proposée, ou qui renvoient au respect des droits humains dans un autre type de sujet. Voilà, voilà ce conditionnement des subventions ou bien des marchés publics, hein, c'est le même système. Je crois que c'est un terme, c'est les éco-subventions, je ne sais jamais bien ça. Bon, enfin, bon, bref, conditionner cela à des critères de performance environnementaux et sociaux me semble absolument capital. Autre chose dans cette plus grande implication des autorités locales, c'est tout ce qui va relever du transfert des compétences et des savoir-faire. Quels sont les modes contractuels qui permettent cela ? On a eu la chance d'en conduire plusieurs, des managements de contracts, notamment en Algérie, qui ont fort bien fonctionné et qui reposent sur le système de transfert du savoir-faire. Mais je pense que là aussi, ça n'est pas suffisant et émerge l'idée, notamment dans les pays en développement, dans les pays émergents, d'être maître de leur innovation et de leur savoir-faire, ce qui veut dire apporter plus de l'aide à la formation, mais tout faire pour permettre la capacité d'innover dans les pays en question. Ça me semble absolument capital, ce qui veut dire aussi favoriser des transferts davantage sud-sud. Bon. Alors, on s'y essaye à une échelle très modeste encore, et j'espère bien qu'on va amplifier ça. On a par exemple un partenariat avec AgroParisTech, pour former les responsables des services de l'eau, de l'assainissement et des déchets dans les collectivités locales, dans un certain nombre de pays du Sud. Et on ne le fait pas en calquant notre soi-disant savoir-faire occidental sur ces populations, mais bien en faisant de la formation beaucoup plus transversale, donc plutôt de l'échange de bonnes pratiques. Bon. Et ça, je crois beaucoup à ce type de... à ce type d'outils qui pourraient être amplifiés d'ailleurs par les MOOC. Enfin, là, l'impact des nouvelles technologies de l'information et des communications dans la formation peut être aussi extrêmement important et doit être favorisé parce que je trouve que finalement, on ne l'utilise pas autant que cela, en tout cas dans cet objectif-là. Bon. Voilà, donc il y a tout un bloc, il me semble, de recommandations bien sûr à affiner, mais autour
et dans l'objectif d'impliquer davantage et de responsabiliser davantage les autorités locales. Deuxième type d'idée de recommandation, c'est évidemment la promotion des partenariats. Alors, moi, je suis très sensible, évidemment, au 17e ODD, même si c'est probablement un moyen de l'ensemble des autres, et c'est probablement aussi un des moyens les plus compliqués à mettre en œuvre. Mais il signifie qu'on change tout, hein, qu'on change tous un peu notre regard sur ce foutu, pardonnez-moi l'expression, mais j'assume, clivage public-privé. Qui a, pendant tant d'années, finalement empêché de prendre l'exacte mesure des enjeux concrets, tellement ils étaient masqués au fond par une opposition entre acteurs privés et acteurs publics. Quand on creuse la nature de cette opposition, on se rend compte très souvent qu'elle est très, très sectaire et qu'elle ne repose pas sur des choses, au fond, très fondées. Bon. Donc, comment dépasser cela ? Comment dépasser cela ? D'abord par un changement d'état d'esprit, et puis après, en allant peut-être faire l'expérimentation de partenariats qui sont très neufs, qui sont souvent portés d'ailleurs par des formes émergentes de l'entrepreneuriat social et solidaire, donc d'entrepreneurs, de start-up, etc., mais qui du coup construisent là aussi des écosystèmes avec des moyennes et grandes entreprises et avec les autorités locales. Bon. On est à Suez partenaire de plateformes de ce genre, que ce soit Ashoka, que ce soit Make Sense, que ce soit Future of West, qui reposent sur ce principe, c'est-à-dire des plateformes d'entrepreneurs porteurs de projets en France et à l'international que l'on soutient, mais que l'on ne soutient pas simplement financièrement, que l'on soutient en étant nous-mêmes à leur côté, en apport d'expertise, etc. Bon. Et ça, je pense que c'est un sujet qu'il faut qu'on creuse. Je crois que le ministère des Affaires étrangères, d'ailleurs, a lancé un programme qui va dans ce sens-là. Je pense que là, on a tout à fait intérêt à faire une passerelle entre les ODD et ces types de partenariats un peu nouveaux. Autre chose, même si c'est plus classique, mais pas suffisamment fait, c'est évident que le montage de partenariats avec des ONG locales, quand il s'agit de travailler sur l'accès à l'eau dans un certain nombre de collectivités est absolument capital. Nous, dans le passé, on a fait des erreurs parce qu'on n'avait pas pris en compte ce sujet d'une gouvernance beaucoup plus multi-acteurs au sein de collectivités locales dans un certain nombre de pays. On a tiré les conséquences de cela et on essaye de faire autrement. Je pense notamment à Mumbai où nous sommes présents en ce moment dans un lot d'ailleurs qui a été dédié à l'accès à l'eau d'un certain nombre de bidonvilles. On travaille en partenariat avec les associations locales et ça serait absolument aberrant de faire autrement. Et c'est justement dans cette co-construction très locale qui permet au fond de croiser une approche technique et une approche très sociale et sociétale, c'est grâce à cela qu'on arrive vraiment à adresser l'enjeu et donc à faire accéder à l'eau et à l'assainissement des populations qui en étaient exclues, dans des situations d'ailleurs démographiques qui sont assez épouvantables, parce qu'on se trouve confronté à la question de la péréquation dans des villes qui deviennent tentaculaires entre des quartiers classiques, je veux dire, et puis des bidonvilles, les quartiers de population moyenne ou intermédiaire ne voulant plus être solidaires des bidonvilles qui sont à côté. Bon. Voilà, donc cette évolution-là pose de nouveaux problèmes qui sont, à notre sens, en tout cas, adressables, si je puis dire, grâce à ce type de partenariat. Troisième axe, et j'en terminerai par là, c'est tout ce qui relève du financement en tant que tel. Alors, je le disais tout à l'heure, je pense que peser de tout son poids, en tout cas pour la France, dans les accords commerciaux, de manière à ce que soient prises en compte
les critères de performance environnementale et sociale dans les conditions, dans les procédures d'attribution des marchés me semble capital. Donc là aussi, il y a une passerelle à faire, il me semble en tout cas, avec cet enjeu-là. Deuxième chose qui est peut-être plus technique, mais qui est ô combien juste, concrètement parlant, c'est tout ce qui relève des financements qui ont été fortement centrés sur les infrastructures, beaucoup plus que sur les services, avec tous les effets pervers que cela peut entraîner, au détriment de ceux, justement, qui auront à exploiter les services. Donc là, il y a aussi quelque chose à remettre en ordre, si je puis dire, en promouvant des formes de contractuelles qui permettent de lier l'un à l'autre. Et puis, troisième chose à laquelle je suis aussi très sensible, et dont je me suis aperçue en allant discuter avec des personnes à la Banque mondiale, c'est qu'au fond, très souvent, c'est moins un problème de financement en tant que tel, c'est-à-dire de disponibilité du financement, qu'un problème de formulation correcte d'une demande. Je veux dire par là qu'un certain nombre de projets dans les pays du Sud mériterait qu'il y ait une assistance technique un peu spécifique pour qu'il y ait une aide à la formulation de la demande. Bon. Et là aussi, c'est très concret. Je pense qu'on est suffisamment armé en termes de bureaux d'études, etc., pour peut-être prévoir quelque chose de particulier de ce point de vue-là, qui consisterait à faciliter la rédaction des projets pour accéder à des financements et à de nouveaux financements liés notamment au fonds vert ou à toute la problématique climat. Donc être en capacité dans la formulation d'une demande à faire le lien entre un sujet qui concerne les déchets, par exemple, et le sujet climat va devenir capital. Bon, et je reboucle avec ce que je disais au début, la valorisation des déchets, ça permet d'éviter des émissions de gaz à effet de serre. Très bien, encore faut-il le montrer, le compter, le démontrer, etc. etc. Bon. Donc voilà, accès à ces financements, à mon sens, d'une nouvelle nature, en tout cas c'est ce dont parle la Banque mondiale, encore faut-il être armé, si je puis dire, pour adresser de telles attentes. Voilà ce que je voulais vous livrer comme idée, et je me prête évidemment bien volontiers au jeu de vos questions.